Voilà, donc j'ai lancé la vidéo. On est en direct sur YouTube, sur le live du patch trailer de la 0.12. J'espère qu'il va y avoir une belle surprise qui va nous attendre à la fin de ce trailer, comme par exemple téléchargement en direct de la 0.12, genre pas d'événement numéro 8 ou 45 pour nous faire patienter encore pendant 20 ans. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir Dylan est donc sur le live direct du jeu, et on peut voir donc le nombre de personnes connectées, donc 18 000. Ça fait à peu près que je me suis toujours posé la question, et combien y a-t-il de joueurs sur CK From Tarkov? Bon, bien sûr, ça reflète pas du tout le nombre exact, mais bon, 18 000, c'est quand même, moi je trouve ça super bien. Et donc du coup, j'espère avoir plein de petites surprises. Tac. Attends, je vais tester le chat. C'est rare que je sois en live en fait, donc c'est pour ça que je teste plein de trucs. Donc là, j'ai mon chat qu'on verra pas dans la vidéo, à droite. Et vous verrez le chat de la chaîne Battle State directement. Et ça floude énormément. Donc, on est sur du 60 secondes. Dans 60 secondes. Ce serait du troll qui le sorte le 12 novembre. Non, là, franchement, ce serait même du foutage de gueule, je pense. D'attendre aussi tard que ça. Après, on est le 21, tu vois, le 21 octobre. Si tu recules, si tu vois, à l'envers, ça fait du 12. Bon, bah, peut-être. Mais genre, ce serait trop bien, genre, à la fin du trailer, allez télécharger-le. Là, ouais. Là, ce serait énorme. Franchement, ce serait énorme. Je sais pas s'il va y avoir un décompte. Je sais pas comment ça va se passer. En termes de. C'est la première fois qu'ils font ça, je crois. En tout cas, j'ai pas de souvenir. J'ai des moustiques qui sont partout là. C'est une mouche. Alors, on est revenu. La première va bientôt commencer. Bah, il va être 18 h, il est 59. Attends, on se croirait le jour de l'an, quoi. Putain, c'est tombé. Alors, on monte à 23 259, c'est super. C'est bien ce que ça va faire un effet boule de neige en fait sur les lives tout YouTube. Et du coup, ça va faire de la pub pour le jeu. Et franchement, il en mérite pleinement. C'est vraiment un jeu qui est exceptionnel, CK From Tarkov, hein, je le répète encore. Et là, avec cette version 0.12, il joue énormément. Là, c'est vraiment un coup de poker. Ça veut dire que si cette version 0.12 est décevante, là, clairement, c'est la fin du jeu. Hein. Je peux vous dire, je peux vous garantir qu'il va y avoir la moitié des gens comme moi, par exemple, qui arrêteront définitivement ce jeu pendant au moins une bonne année. Enfin, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un vrai changement. Attention, voilà, il y a un nouveau décompte. Voilà, 1 minute 53. Voilà, on est en direct, hein, un petit live sur ma chaîne YouTube, je record, ça pourra faire toujours un petit souvenir, parce que je sais qu'il y a une forte communauté française qui me suit derrière, et que j'aime bien, ça fait plaisir. Oula, il y a beaucoup de gens qui sont partis, on est passé de 25 000 à 17 000. Genre, ils sont partis fumer leur cigarette. Énorme, c'est un jeu que je porte dans mon cœur. Oui, c'est un jeu qui est. Mais ça, il est unique en son genre. Hein. Il y en a beaucoup qui comparent ça à Arma. Non, c'est pas vraiment du Arma. C'est différent, on va dire. Arma, c'est du open world, c'est un peu plus tactique. Escape, c'est un peu plus. C'est différent. Déjà, c'est plus joli. C'est différent, je sais pas comment dire. C'est la simulation, c'est leur seul point commun. Mais. Tarkov, c'est plus dans le détail, quoi. C'est beaucoup plus dans le détail. Donc voilà, 20 000 personnes, 19 000, ça a baissé, il y en a 5 000 qui sont partis depuis tout à l'heure. Get ready for the new locations, hideout management, character clothing. Donc là, en fait, là, dans le détail de la vidéo, on voit un peu ce qu'ils vont parler, etc., etc. Dans le chat, ça folle, il y a toutes les langues. Je viens de voir du coréen, il y a de l'anglais, du russe, cov, il y a des français. Du coréen toujours et des chinois, il y a des chinois, il y a des japonais, il y a un peu de tout, hein. Il y a le monde entier est là. Ça me bloque beaucoup de gens. Alors, je vais lancer le jeu histoire d'être seul sur Zelda. Ouais, t'as bien raison, ouais, mais bon, ouais, franchement, il y a plus aucun intérêt. Hein. Ça va wipe peut-être dans 5 minutes ou peut-être dans 5 semaines. Donc voilà, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, ça fait une semaine que je suis ta commu, hein, j'aime bien. Ouais, bah merci. Bah écoute, n'hésite pas à venir sur le Discord. Hein, on est une grande famille. Tu peux nous rejoindre. Tu peux même. Tu peux
faire plein de choses. Voilà, attention, on en reparlera après. Concentration en direct, messieurs, dames. Battle State. On va monter le son. Get ready for tonight, please. Download the game now. We wipe in few seconds. Non, non, bien sûr, je ne. Nous ne rêvons pas. Ça ne peut pas arriver. C'est du Tarkov. D'accord. C'est tout. C'est clairement tout.
D'accord, ok. Bon, bah du coup, on va réagir tous ensemble en direct maintenant sur ce qu'on vient de voir. Allez-y dans le chat. Bon, déjà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça, je vous remercierai jamais assez pour ça. Putain, toujours pas de date, par contre. Toujours pas de date. C'est un truc de ouf. Ils arrivent pas à nous sortir une date. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a même pas de date. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Qui c'est qui nous rejoint là? Salut Chino. Salut, T'as vu le comment trailer ou pas? Est-ce que tu as vu le trailer? va? Ah, je suis en train de regarder ta vidéo là. Bah, ils viennent de terminer le trailer et les gens ne sont. Voilà, en fait, ils arrivent toujours pas à nous sortir une putain de date. C'est con ça. Donc, j'en profite pour faire un peu de pub, hein. N'hésitez pas à vous abonner. On va discuter de ce qu'on vient de voir en mettant un peu l'épisode 2 de Tarkov. Allez-y, alors que vous pensez quoi de ce que vous avez vu? Dites-le-moi dans le. Par contre, ouais, fou, ouais, c'est fou, ouais. Oui et non. Clairement, là, on a vu juste un peu de. On a vu un peu de. On a vu un peu de gameplay. Y a rien de fou. On n'a pas vu le Hideout. On n'a rien vu de tout ça. Les gens sont pas contents dans le chat. Ah non, dans le chat, mais carrément pas là quoi. Là, c'est n'importe quoi. À la limite, faut regarder peut-être Twitter, parce que c'est vrai qu'ils sont très actifs sur Twitter. On va regarder Twitter en direct. On va voir ce que ça donne. Twitter, je sais même pas c'est quoi. N'hésitez pas, hein, prenez votre temps. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Plus on est, mieux on est. Abonnez-vous, rejoignez-nous sur notre association. Trailer pas, non, même pas, il n'y a rien d'autre. Ils ont rien prévu d'autre. Clairement, ça pue le cul. Donc, on a vu quoi? On a vu le P90. On a vu le. Après avoir. Mais bon, c'est Escape, c'est un peu comme une voiture maquillée, on sait jamais. Oui, mais bon. Tu sais qu'à la. Vous savez qu'à la base, la 012 aurait dû sortir en mars 2019. Et que la version finale aurait dû sortir en décembre 2019. Donc, voilà quoi. Donc, je sais qu'en niveau. Niveau. Let's crack. Les mecs, ils vont craquer le jeu. Au niveau date, voilà. Donc, ils ont jamais respecté rien du tout. Mais là, ils nous, quand même, ça fait quand même quelques jours, ils ont annoncé ce trailer. Ou c'était hier, je sais plus. Là, ils nous ont mis un peu l'eau à la bouche. Le jeu devient très répétitif, on va pas se le mentir. Quasiment la totalité des joueurs ne jouent plus à Escape from Tarkov. Hein, les serveurs sont quasiment tous vides. Là, il faut qu'ils sortent quelque chose. Là, faut qu'ils sortent quelque chose parce que ça va devenir, voilà quoi, c'est pas bon pour leur image. Clairement, là, je regarde dans le chat, ils sont énervés déjà. Il y avait 27 000, 30 000, on est passé à 16 000, donc déjà tout le monde s'est barré. Allez hop. Donc clairement, voilà quoi. Donc on a vu la map Military Base qui a l'air d'être en fait un simple remix entre une sorte de factory avec un peu de comment ça s'appelle ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué, je m'en souviens plus. J'ai oublié le nom des maps. C'est quoi factory et quoi d'autre Chino là, la map là qu'on joue custom, voilà custom. Custom, ouais. Voilà, donc ça ressemble un peu à ça. J'appelle pas vraiment ça un trailer non plus, hein. Ils ont plus filmé du gameplay. Ouais, c'est un trailer. Enfin bon, je vais pas être défaitiste, hein, là, je vais paraître vraiment. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Non, mais totalement, je suis d'accord. Qu'ils utilisent les mêmes structures. Donc là, il a dit, ils réutilisent les props normales. Oui, bien sûr, je suis d'accord qu'ils réutilisent les mêmes structures. Je suis d'accord, mais. Tu peux très bien les réutiliser en changeant par exemple des couleurs de texture ou mettre des textures différentes. Enfin, mettre une texture, moi qui ai déjà essayé Cray Engine par exemple, donc voilà, c'est pas le même. Bon, mettre une texture sur un mur, ça prend allez, 3 heures. C'est juste le temps de chargement. Donc en fait, réellement, humainement, tu as 3 clics à faire. Tu peux très bien bidouiller des petits trucs, des petits tips, on va faire ça. Voilà. Donc moi, j'attends de voir cette version-là. J'aimerais bien qu'ils.
qui nous prennent un truc, mais là, apparemment là leur truc c'est totalement éteint, donc là ils ont carrément c'est tout. Je regarde les commentaires, mais non, il n'y a rien. Niveau des armes, bah pareil, il y a de nouvelles armes. Mais on n'a pas vu le hideout, on n'a rien vu de tout ça. Je sais pas, c'est quoi? Il y a une grosse surprise derrière. Salut Vector et bienvenue dans le chat. Pour info, je fais très rarement du live, alors abonnez-vous à ma chaîne, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Bon, en masse, partagez. Et moi, je fais beaucoup de YouTube pour ceux qui découvrent ma chaîne maintenant sur Escape from Tarkov, même si ça fait longtemps, mais je fais beaucoup de jeux. Voilà. Ouais. Bah toi t'es, ouais, d'accord. Toi tu joues au corps à corps en fait. T'attends le tambour pour le slug. Ouais, mais moi j'attends juste le wipe en fait. J'attends juste que ça wipe et qu'on puisse commencer à jouer, tester les nouvelles quêtes en fait, les quêtes qui vont être principales et celles qui étaient avant vont devenir des quêtes secondaires. J'attends le hideout, j'attends de changer de vêtements, de créer pouvoir créer un clan si c'est possible. Mais je crois pas que dans la 012 ce sera possible. J'attends plein de choses et en fait là je suis un peu énervé, voilà, je suis un peu énervé et je crache pas sur le jeu objectivement, hein, j'ai toujours des arguments derrière. Mais voilà, je préférerais quand même que ça soit, comme, je sais pas, un trailer, tu nous fais un bon trailer et derrière tu nous mets par exemple First November, tu vois, 1er novembre, là bim, là tu vois, tu sais que tu peux attendre. Là non, là ils ont juste fait un peu de gameplay qu'ils ont collé et puis basta, tu vois, là c'est l'écran noir depuis tout à l'heure, je filme un écran noir clairement. Donc voilà, moi je suis un grand fan. Je veux faire des, je veux continuer à faire des vidéos sur Escape from Tarkov, mais je peux pas parce qu'il y a, il y a plus rien à faire sur Tarkov actuellement et j'attends cette version. Et ça fait quoi? Ça fait depuis le mois d'avril, mai, que j'ai pas joué réellement, où j'ai vraiment pas saigné le jeu. Salut, pour moi, la seule chose que j'ai vue est la nouvelle map et le P90. Les screenshots auraient suffi. Ouais, mais clairement! Clairement, en fait, ils auraient mis. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est bienvenue à toi. Bienvenue à Les Sèvres, on a vu 3 secondes de hide out en fin de vidéo. Ouais, mais voilà, 3 secondes. Moi, en 3 secondes, ouais, je te fais des pattes, tu vois ce que je veux dire? C'est rapide. Salut Vector, salut à les zèbres, salut à Seto, salut à tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous fais ma pub sur ma propre, sur mon propre live. Abonnez-vous. Donc là, le chat s'est clairement calmé. On est passé à 16 000, on était monté à 30 000 ou 40 000 tout à l'heure. Allez-y dans le chat, allez-y. Hein, mettez ce que vous pensez. Là, c'est une vidéo qui va être faite pour ça, uniquement pour ça. Dites ce que vous pensez. N'hésitez pas. Surtout le comté de se faire à la Movie Maker, c'est un peu. Oui, voilà, oui, ils ont fait ça vraiment vite fait. Franchement, ils m'auraient appelé, j'aurais fait ça gratuit, quoi. Mais voilà, moi, je suis très catégorique. Hein, là, je vais vraiment pas faire des copains, mais j'en ai rien à faire. De toute façon, ceux qui me suivent commencent à me connaître. Hein, j'en ai un peu rien à faire de ce qu'on pense. Là, clairement, c'était un trailer de merde. Parce que il manque une date. Il manque juste une date. Allez-y dans le chat. Faites-vous plaisir. Many thanks. Alors, il y en a qui remercient Battle Gates, Homsom. Ouais, après, il y a tous les. Les Kragans. Ouais, bah, ça s'est un peu arrêté. On va réactualiser la page. Ça y est. Ils ont remis. Voilà, on va se le regarder. Ils l'ont mis en. C'est 4 minutes 45 au total. On va se le regarder, on va se le recommenter en direct. Alors, je vais vraiment commenter tout ça. Et puis après, on va s'arrêter directement là. Hein, parce que de toute façon, ça sert à rien de pleurer sur nos lauriers. Étant donné que rien ne changera. Donc voilà, donc là, on est. Voilà. Donc c'est... Donc là, pour moi, c'est du custom tout craché. Hein, clairement. Là, une partie de The Lab avec un peu de Factory. Pas le fait que ce soit pareil, hein. Personne joue comme ça. Voilà, donc pareil, un peu de facto avec des murs un peu propres ou une The Lab pas de traçante, pas de casque, bref. 90.
Ouais, nouvelle Zaka. Salut Tennis Wag, à une prochaine. Au plaisir. Surtout n'hésite pas à venir sur le Discord de Balocu. On est une association, on est un bon groupe de joueurs. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord balocu.fr. Je crois que j'ai même pas mis le lien parce que le site est en travaux. Vous avez le lien dans mes chaînes de mes vidéos, dans les liens de mes vidéos, dans mes descriptifs. Vous avez le lien du Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, donc là on voit les armes statiques, ça on les voit bien. Ouais, bah ouais. Mais tu devrais aller sur Twitter, ils sont très actifs. Je crois que Twitter c'est par là qu'ils commencent. Donc je lis ton message pour la vidéo. Tous les jours je lance le launcher pour voir si la mise à jour est sortie. Et à chaque fois que je vois qu'il n'y a rien, je ferme le jeu. Oui. Oui, oui, et bah regarde Twitter, au lieu de te faire chier à lancer, te faire des posts de joie. Twitter, ils sont très directs sur Twitter. Donc là, pour moi, ça c'est carrément interchange vers les sous-sols. Voilà, c'est du custom en plus large, en plus vaste, avec plus de bâtiments. Oh, bien sûr, les armes statiques. Merci d'avoir regardé la vidéo et salut, même mort de rire. Salut bébé boy, bienvenue à toi, merci pour le compliment, n'hésitez pas à vous abonner les gars, ça fait toujours plaisir. Moi je fais ma communauté, j'ai ma communauté sur Tarkov et je vais la maintenir, donc c'est pour ça que j'ai décidé de commenter en live. Après je suis pas un professionnel des commentaires. Tu prends bien. Je parle très bien le français déjà, et je vous merde. Donc là c'est clairement du wood, hein, c'est du wood. En fait, Military Base c'est toutes les maps réunies, mixées en fait, c'est un peu ça. Hein. Hein. Ouais, on voit rien de spécial finalement pour la map qui n'a pas l'air d'être. En tout cas, je sais pas avec quel graphisme ils ont joué sur leur pour faire leur trailer, mais leur graphisme dans le jeu est dégueulasse. C'est pas du tout les graphismes qu'ils nous ont vendus sur Instagram avec leur truc un peu cartonné derrière, avec des couleurs très pastel. Là, il y a rien du tout de tout ça. Le train, ça par contre le train, ouais, j'ai kiffé. Ouais, c'est clairement ça, ouais, c'est... Alors, je lis le commentaire de... pourquoi message retiré, t'as dû le... Oui, ils ont mis... Vector a dit qu'ils ont mis toutes les maps dans un bullet-next, et puis ils ont fait cette map. Très bien, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, apparemment, on voit le hideout à la fin de la vidéo, moi, je l'ai pas vu. C'est ça le hideout? D'accord, c'est ça le hideout. J'avais pas vu au début, j'ai vu regarder le chat. Tac. Mais ça m'a l'air d'être nul à chier. Clairement, ça m'a l'air d'être fait avec de la pisse et de la merde, quoi. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour le live. N'hésitez pas à nous rejoindre tout de suite si vous voulez sur le Discord pour qu'on puisse parler en offline tous ensemble. Balocu.fr, le Discord, je vous le mets maintenant. Tac. Voilà. Le Discord dans le chat, on peut se rejoindre maintenant. Moi je vais couper le live, je vais couper la vidéo. On se dit à très bientôt pour la 012. Banzai.